Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Startup Company. On va continuer où on s'était arrêté la dernière fois, ce qui veut dire ici. On va chercher ici, on va lui dire d'arrêter de chercher et on va lui demander de recruter. On va lui demander de recruter un développeur senior pour continuer à chercher notre module ici parce que clairement on en a besoin. Alors, il y a des petites choses, j'hésite à licencier. Parce que ben en fait on n'a plus besoin d'autant de recherche. Alors oui, c'est bien hein, de rechercher, mais finalement ça vaut pas trop le coup. Lui, elle a l'air bien. Alors on va la débaucher. 5 700. Ok. Et on a un succès, embaucher 10 employés. Parfait. Voilà, alors il y en a un qui prend combien de temps? 5 heures, et là. Ah ouais, c'est beaucoup moins en fait, non? SQL ras-le-bol. Devrait être assis à un poste de travail intermédiaire. Ah. Est-ce qu'on sait voir ce que ch chacun voudrait? Ah ouais, on sait voir ce que chacun voudrait. Et du coup, ça réduit. Ok, ah ouais, donc on va essayer de vraiment travailler ça. Du coup. On va juste voir la fonctionnalité ici. Ok, donc on a le temps encore. On va changer et on va lui dire de développer quand même peut-être ça et ça. Et on va arrêter de développer. Voilà, qui continue à faire ça, il y en a un qui est que dans les composants, c'est parfait. On va déverrouiller des trucs pour le bureau. On a débloqué le poste de travail intermédiaire, c'est parfait. Alors, on va. Alors, on va mettre. On va le retirer. Alors, est-ce que je peux du coup dégager ça? Appuyer sur supprimer. Voilà. Et on va mettre ça. Sélectionner. Ok. Alors. Machine à café. Est-ce qu'on a maintenant la machine à café? On a une machine à café. Et je crois qu'il y en a quelques-uns qui vont être contents de la machine à café. Et puis le plan de retraite, alors je sais pas comment on active le plan de retraite, on peut une fois voir. Hein. Employé. Formation, statistique. Retraite. Je prends ma retraite maintenant, c'est bien ça. Genre lui. Est-ce que je peux. Quand est-ce qu'on peut commencer à faire ça? Je suppose que ça doit être dans nos petits trucs ici, hein, mais. Améliorer les niveaux. Oula, non, pas encore. Ok, j'ai du mal, hein. Vous voyez bien qu'on a, on a du mal toujours ici. Finance peut-être. Alors ouais, on perd beaucoup d'argent. Ça commence à être vraiment le bazar. On pourrait au pire faire un prêt. Mais ouais, ça fait quand même très mal, hein. Tellement mal qu'on va peut-être devoir en virer quelques-uns, je crois. Parce qu'on ne gagne encore rien du tout, quoi. Alors là, j'espère que ça va un peu plus monter. Là, on est à 100%, donc on va pas pouvoir améliorer, entre guillemets, ça. Et là, bah, il faudrait qu'on pousse à fond, mais. Il devrait y avoir davantage framework. C'est pas à cause du code. Ce ralentisseur ne veut juste pas plus de serveurs. SQL ras-le-bol.
Aïe 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 aïe, j'espère que ça va pas mal se passer. Alors l'utilisation du serveur, elle est quand même presque à la limite, hein. Amélioration. Ouais, on peut. Parfait! Et on est à plus 40 000, ça c'est une bonne chose. Ça c'est une très bonne nouvelle. Ok, tellement d'utilisateurs, je dois l'admettre, ici à Johnson Invest, on parie sur votre succès. Nous sommes réellement impressionnés. Yes! Maintenant, nous devons parler serveur. Au fur et à mesure que vous ajoutez et améliorez les fonctionnalités, vous aurez besoin plus de CU, unité de calcul. Commencez par engager un administrateur système de la même manière que vous avez recruté un développeur ou un graphiste. Ensuite, ajoutez un petit serveur virtuel en sélectionnant votre site web et en allant dans l'onglet. Utilisez votre administrateur système pour créer des composants requis. Ok. Alors, par contre, va falloir virer quelqu'un. Ces trois-là n'ont pas l'air très très heureux. Alors, je comprends pas trop pourquoi. 22 ans. Est-ce qu'on ferait sur l'âge? 39 ans. 43 ans. Et 51 ans. On va dégager celui-là. Je suis désolé. Ils vont pas être contents, mais il faut que j'ai de l'espace. C'est l'anniversaire de Vélus. 19 ans. Wouhou! Joyeux mois. Ok. On va devoir du coup recruter. Alors, on va recruter un. Ah, on n'a pas. Il faut qu'on trouve un administrateur système. Ok. Parfait. Alors, on va lui dire de débaucher du coup un administrateur système. Commencer le débauchage. Et c'est parti. Alors, c'est vrai qu'on a quand même plein de recherches. On pourrait peut-être essayer d'avoir. Tac, 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 manager, non. Ah oui, non, c'était que pour les intermédiaires qu'on pouvait voir autre chose. Ok. Alors, on y est bientôt. Quatre nouveaux gîtes. Ok, alors lui, il en a trouvé un. Je sais pas, 3600. 5700. Alors, on va garder en tête. Et on va attendre ici qu'il nous propose un autre. Parfait. 118, 46 ans, ok. Et ici, 23 ans. On va prendre une équipe de jeunes. 5400, bah écoute, moi j'ai proposé 4700. Allez, 4900. Ah, Philippe Parc est malade. Aïe, aïe. Absence maladie, ok. Voilà. Et on va lui dire de travailler sur ça. Parfait. Atteint un total de 1000 unités de calcul, hébergement, et on doit du coup ajouter des petits trucs comme ça. Ok. Et du coup, il va travailler sur ça. Pas de souci. Nous, on va pouvoir un peu améliorer encore ici dès que possible. Et on va essayer d'améliorer quand même l'humeur, hein, parce qu'ils n'ont pas l'air très très heureux. Alors, un petit bonus de paye. Ah ouais. Ça met tout le monde très content d'un coup. Alors j'aurais peut-être dû faire ça avant en licenciant un deuxième parce que je crois qu'on va devoir en licencier encore un. Et lui il est triste ou... Non, il est juste malade, ok. Ok. Mais tout le monde travaille bien. Alors lui il est malade toujours à la maison. Lui il va commencer à faire ses recherches. Donc on peut pas faire plus. On va continuer à développer. Hein. Alors on va peut-être développer en plus ça. C'est toujours ça de fait. Alors Philippe Park est toujours malade. Ah non, ça va. He's back. Il est de retour notre copain. Donc ici on a ça et là bah, il va tout créer. Donc c'est parfait.
Alors c'est vrai qu'on pourrait directement en faire ici. Alors ça a coûté moins cher pour le moment de faire ça. On est à la limite, hein. On voit ici qu'on est souvent à 100%. Ajouter une instance. Tadam! Parfait. Ok, commencez par rechercher et ajouter de la publicité textuelle. Pour ça, il nous faut un chef de vente. Ouais, donc ça veut dire qu'il va nous falloir aussi un nouvel emplacement. Donc on va vendre notre type là. Ouais, je suis triste. Enfin, vous êtes tous tristes, je suis désolé. Alors par contre, ici, ils sont pas heureux. On a de l'argent. Ouais, ok. Ok. J'achète ma paix, désolé, j'achète ma paix. Ok, lui, on va lui dire du coup de chercher en tant que recruteur un chef des ventes, mais pour ça, on doit débloquer le chef des ventes. Et on va débaucher du coup le chef des ventes. Parfait. Et c'est parti. Alors, on va le laisser. Non, allez. Samedi. Ah, on travaille le samedi, ok. Ils travaillent tous le samedi, mais c'est cool ça. 37 ans, et là, 29 ans. Bah écoute, on va prendre celle de 29 ans. Elle a accepté 4400, donc ça veut dire que c'était peut-être un peu trop. Ok, pas grave. Parfait. Cet employé ne génère aucun contrat. Pas encore un contrat, ok. Alors, recherche une offre. Ça veut dire que je vais pouvoir ajouter une fonctionnalité. Négocier au moins une offre d'espace publicitaire. Alors là, clairement, on a un problème. Ici, on va peut-être améliorer. Ouais, on peut en améliorer deux du coup. Oh, ça c'est bien. Ça fait du bien. Et là, on va ajouter la fonctionnalité du coup. Ici. Textuel. Alors globalement ils sont heureux hein, du coup maintenant les commentaires on va encore pouvoir améliorer pub textuel ouais configurer et là bah, on va attendre du coup qu'il nous propose une nouvelle offre. Alors elle a quand même intérêt à nous dégoter une bonne offre. De toute façon on acceptera le plus rapidement la première offre parce que clairement il faut ça. Allez. Ok. 3,10$. Alors en vrai, j'ai rien pour comparer, mais je crois qu'on va quand même le prendre. Négocier pour une pub textuelle, créneau horaire de minuit à minuit. Frais de pénalité, paiement quotidien 372, bah c'est toujours ça. Ok, bah on va accepter le contrat. Parfait, plus 60 000, négocier au moins une offre. Ok, alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Souvenez-vous de garder vos revenus stables afin de répondre blabla. Avez-vous remarqué que vos équipes commencent à s'asseoir de plus en plus proches les uns des autres? Les développeurs détestent ça. Nous ferons bien de louer un bureau plus grand. Ah, enfin! Enfin. Alors, un bureau plus grand, elle nous dit où il faut aller ou pas? En vrai, c'est celui-là qui a l'air un peu plus grand. Ici, on en a. Là, on va pouvoir en mettre 20. Et ici, on va pouvoir en mettre 80. Donc 20, ce serait déjà pas mal. Location. Oui, alors ça nous coûtait cher, hein, 6 000. Mais ça veut dire qu'on va vraiment pouvoir pousser le truc à fond. Décrocher l'évaluation demandée. Ok, on doit atteindre une évaluation de 200 000 dollars. Ok, donc on gagne pour le moment 292. Alors, on va pouvoir augmenter, agrandir notre serveur. Donc, ça va être intéressant. On va essayer de commencer à faire des petites équipes. Ce qu'il va falloir faire, c'est... Alors, elle est où l'évaluation? C'est quoi l'évaluation?
Capital risque, non. Atteindre une évaluation. Ok, on va lire. Nous voulons juste vous voir travailler sur votre site. Continuez à améliorer les fonctionnalités existantes et les salles des campagnes marketing. Surtout, ne soyez pas frileux à embaucher de nouvelles têtes. Vous pouvez voir votre évaluation dans l'onglet statistique du site. Ok. Donc, tout simplement, maintenant, il faut qu'on augmente, en fait, notre... Allez. On augmente tout, quoi. Tout simplement. On pousse juste le truc à fond. Ok. Ah ben, on est déjà. Yes. Yes. Bien. Nous devons améliorer nos efforts en marketing. Commencez par embaucher un commercial. Créez vos premières campagnes d'annonce textuelles. Vous devriez ajouter un œil à la fonctionnalité. Première campagne d'annonce textuelle. Alors. Le pourcentage d'imposition de votre caisse de retraite a été réinitialisé. Ok. Des trucs que je connais même pas moi personnellement. Alors on va faire une campagne du coup d'annonce textuelle et on va promouvoir la page d'accueil, hein, clairement. Taux de conversion 9%, ce qui est vachement bien. Ah mais pour ça il nous faut... Ok, et ça c'est le commercial qui va écrire. D'accord. Ok. On va créer un bureau encore comme ça ici. On va lui dire de rechercher un commercial, mais pour ça, du coup, il va nous falloir... voilà. Ok. C'est bien, parce que maintenant, je commence un peu à recomprendre comment tout fonctionne, et du coup, on va pouvoir faire ça. Il cherche un commercial, c'est parti. Et on va mettre sur play. On peut continuer un peu à améliorer le tout. Alors moi j'aimerais bien améliorer ceci, ici. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi améliorer... Alors ça c'est la puissance. En soi on peut l'améliorer parce que ce sera quand même sympa à faire. Niveau max atteint. Ok. Ok. C'est déjà ça. Lui, ici, il va nous proposer... c'est le chef des ventes, toujours. Ah, un commercial, ici, de 26 ans. Bah, écoutez, on va lui proposer 3300. 6000, ok, on va lui proposer 5300. 5700, parfait. Voilà. Et stop, et tu vas continuer à développer. Merci, au revoir. Voilà, on va lui dire de faire ça et de lui faire pour le moment... On va lui dire ça. Et on va voir ce que on a réellement besoin. Marketing, pub textuelle, il nous faut rédaction et format texte. Voilà, donc ces deux-là. Parfait, alors on va mettre tous... On va, pour terminer ici, on va les redéplacer. Le contrat 1, c'est terminé, écrit horaire n'est plus. Ok. Ça veut dire qu'il nous faut des contrats absolument alors. Impression garantie. Alors on doit diminuer et du coup ça diminue notre chiffre. Accepter le contrat. Ok, je comprends un peu mieux. Ça veut dire qu'il nous faut... faut pas oublier d'augmenter la capacité. Alors, heureusement, ici, ça se crée au fur et à mesure, donc c'est pas mal. Marketing, on a notre campagne mail qui est toujours active. Ici, on va peut-être pouvoir améliorer à un moment donné. Non, pas encore. Alors... Ah, on peut améliorer directement le poste de travail. Ça, c'est une bonne chose. Hunter Moody. Ok. Alors, on a combien? On est juste à... Ok, pas beaucoup. Alors, je disais, on va mettre les bureaux ensemble. Hein. Donc, ici, on va mettre tout ce qui est... tout ce qui est vente.
Voilà. On va mettre les chercheurs par ici. Alors, on va en mettre deux comme ça. Calculons. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. On va en mettre... Ben, ici, on va mettre nos... Allez, nos devs. On va mettre les autres devs par ici. Et moi, je vais me mettre au milieu. Voilà, et l'administrateur système, on peut le mettre par ici. Pour le moment, un, on n'aura pas besoin de plus, je crois, pour le moment. On va pas hésiter à engager, comme il disait, donc on peut pousser un peu plus. La grande question est, est-ce qu'ils sont déjà heureux? Lui, il n'est pas heureux. Pourquoi il n'est pas heureux? Statistique. Plan de retraite petit. Mais je sais, mais je voudrais bien. Mais je sais pas comment changer ça. Contrat 2 est terminé. Ok. On a un autre contrat. On n'a pas d'autre contrat. Mais t'as pas envie de me pondre plus de contrats, là? Parce que... Pour le moment, c'est pas top top, hein. Ok. Donc ça, c'est bon. Est-ce qu'on crée assez de trucs comme ça? Alors, on en crée assez, donc on va laisser, on va en laisser un. Est-ce que là, ça marche? Alors... j'ai supprimé ça. On va laisser produire ça. Et je crois que je vais encore en prendre un ici. Parce que j'ai l'impression qu'on va pas aller assez vite sinon. Il n'y a pas à renégocier le contrat. Bon. Je peux pas fermer. Hein. Écoutez, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vais pas dans le mauvais sens. Parce que je fais plusieurs vidéos d'affilée. Et du coup, ben moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !